bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous présenter un haul, enfin ça va être une vidéo haul où je vais vous présenter en fait les achats que j'ai pu faire pour mes loulous, donc pour Hachi qui est là et Mia qui est juste à côté, mais vous voyez peut-être pas. Oui, doucement, oui ça arrive. Donc oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça et c'est vrai que les pauvres ils n'avaient plus rien, mis à part leurs croquettes, ils n'avaient plus de friandises. Leurs jouets étaient tous abîmés, donc je me suis dit qu'il fallait que j'achète des petites choses pour eux parce qu'ils ne faisaient plus qu'un bébé. Hein ? Donc je suis allée à toucher un chat et j'ai acheté pas mal de choses. J'avoue que j'ai un petit peu craqué. Donc voilà, oui, tu peux pas te mettre ça dans ta tête jusque là. Donc voilà, j'espère que ça va aller, que je vais réussir à vous montrer tous les produits parce que c'est vrai que c'est toujours pas évident avec eux. Pareil, j'ai également commandé une box pour chien, donc qui va pas tarder à arriver, je pense. Donc j'ai super hâte et je vais aussi vous la montrer en vidéo. Donc ça veut dire qu'ils vont être vraiment très très gâtés les loups. Donc c'est parti. Donc je vais vous montrer le sac qui est rempli, il est blindé. Bon, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer à titi. Ouh là là là, aimer doucement, doucement. Et on se calme. Alors, le premier produit que je pioche, c'est des friandises de la marque Huit en Un. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup prendre. Et donc en fait, je trouvais marrant parce qu'elles sont d'une forme en forme de filet de poulet en fait, voilà, grillé. Elles se présentent comme ceci. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc elles se présentent comme ceci et c'est vrai que j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette marque 8 en 1 et j'ai pas dit que je te le donnais. J'aime beaucoup cette marque. Je trouve qu'elles ont quand même une bonne composition, donc c'est pour ça que j'ai repris des friandises à la marque 8 en 1. Oui, doucement l'autre. Tiens. Voilà, ça va les calmer un petit peu. Donc voilà, l'autre se présente comme ceci. Il n'en peut plus. Doucement. C'est bien. Voilà, puis ce que j'aime beaucoup en plus, c'est que ce sont des sachets refermables. Alors pas tous, non, je crois que j'en ai pris un autre 8 en 1, mais qui n'était pas refermable. Mais sinon, la plupart, en tout cas, de ces formats-là sont de sachets refermables. Donc l'autre friandise, voilà. Donc c'est un plus petit sachet, vous voyez. Et donc c'est toujours dans la marque 8 en 1. Donc là, elles sont en poulet également. Et ce qui est bien, c'est que celle-ci, elle s'enrichit en antioxydants. Donc en fait, ça contribue à stimuler le système immunitaire. Je trouvais ça pas mal parce que c'est vrai qu'en ce moment, il fait vraiment pas beau. Ils sont les pauvres, ils sont dehors. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Et vu qu'elles sont plus petites, pareil pour l'éducation, je trouvais ça pas mal. Alors, je vais vous ouvrir ça tout de suite. Donc même si c'est pas un sachet refermable, là vous voyez on a une petite languette. Et puis moi j'ai des petites choses comme ça à la maison qui sont plutôt pratiques, qui permettent de garder le sachet quand même bien refermable. Après je vais quand même commencer par ceux-là, enfin finir ceux qui n'ont pas un sachet refermable et ensuite les autres. Attends, t'as déjà fini ton truc toi. Mia elle a pas encore fini, il a déjà fini lui. Donc je vais vous présenter. Non, tu te calmes toi. Tu te calmes. Un gros dalleux. Donc je vais vous présenter, donc ce sont des petites friandises comme ceci, en forme douce. Elles sont trop mignonnes, elles sont trop mignonnes. Et Hachi. Assis-toi. Ton petit cul là. Faut que c'est vraiment qu'il l'assoie. Dalle. Hachi, dame. Et bien. Bon, finis tranquillement toi, hein, parce que se dépêche, je vais t'en donner une aussi après. Donc voilà, d'autres friandises de la marque 8 en 1 qui sont pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors oui, j'ai acheté des friandises d'une autre marque que je ne connaissais pas, de la marque Carly Flamingo. Donc je les ai trouvées marrantes déjà par leur forme, vous allez voir, en forme de petite saucisse à moitié. Et la composition qui est très bien également. Et par contre là c'était du canard, alors c'est viande de canard et foie de canard, donc vraiment une très bonne composition. Un sachet refermable également. Oh là là, c'est pas possible, ils sont tarés. Attendez, j'arrive pas à l'ouvrir en plus avec eux parce qu'ils laissent le paquet, du coup c'est tout coulant. Donc je vais vous montrer. J'en chope une, il y en a deux qui sortent. Donc voilà, c'est très marrant. Ils sont... Et Hachi, arrête.
Donc vous voyez, ils sont... ils veulent pas baisser. Et t'arrêtes là, tu vas la voir. Non. Il est pire qu'elle. Donc c'est de cette forme là. Et donc je trouvais ça super marrant et pratique. Donc je peux couper en deux et en donner un bout à chacun. Samia. Doucement. Ah lui il mange trop vite. Hein. Ah, il bave dessus en plus. Donc voilà, une petite autre friandise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais tu l'as déjà fini, c'est pas possible. Il a gobé le machin, c'est pas possible. En tout cas, il kiffe. Hein. Pour l'instant, il kiffe tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté également d'autres friandises. Donc j'ai essayé de changer un petit peu au niveau du goût. Là, ce sont des friandises au poulet. Enfin, au poulet, n'importe quoi. Au poisson. Donc c'est du poisson séché. Hein, et c'est vraiment une très bonne composition. Donc c'est de la marque Bubinex. Hein, je ne connaissais pas cette marque. Et en fait, c'est 100% du poisson séché. Non. Donc je me suis dit que c'était pas mal parce qu'il y avait des oméga 3, vitamines A et E pour renforcer en fait, non qu'est-ce que c'est marqué? Développe la musculature, donne une activité anti-inflammatoire, provoque un effet reconstitution au niveau de la peau, du pelage, enfin voilà vraiment pas mal. Alors par contre c'est pas un sachet refermable, alors je vais prendre mes ciseaux pour l'ouvrir. Mais mis à part ça je trouvais que c'était une très bonne composition. Donc je vais essayer de vous montrer ça, non je vais pas s'ouvrir. Si j'y arrive, parce que je vais vous couper un bout de museau là. Alors, non, 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 et doucement. J'essaye de cacher en même temps parce que sinon ils vont réussir à en bouffer. Alors, donc ça se présente comme ceci. Vous voyez, c'est tout fin. Et, et non, tu te fais avoir. Et donc, c'est que du poisson séché. Donc, je trouvais ça pas mal. Dites-moi ce que vous en dites. En tout cas, l'odeur, ça les rend complètement cinglés. Je vais essayer de ranger ça un peu mieux. Oh là, j'en fais tomber la machine. Hein. Hop. C'est pas pratique tout ce que je suis en train de faire. Je suis désolée, je suis en train d'essayer de ranger un petit peu mon bazar. Ensuite, alors, on a d'autres friandises de la marque Trixie. Donc ils se présentent comme ceci, des petits ronds. Et donc ce sont des friandises qui sont au avec maigret de canard. Voilà, avec maigret de canard. Pareil, une très bonne composition. Donc franchement je trouvais ça pas mal. Et puis c'était pas très cher. C'était moins cher que les autres friandises, je crois. Donc je vais vous ouvrir ça. Il faut également des jouets de cette marque là. Je sais, j'en avais déjà acheté, j'avais bien aimé. Mais... Je vais leur donner les jouets après, ça va être bien. On va pouvoir les laisser courir. Alors, donc au niveau des friandises, elles se présentent comme ceci. Donc, comme je vous disais tout de suite, donc ce sont des petits. Et c'est pas possible, toi. Elles se présentent comme ceci. Voilà. J'espère que vous allez la montrer. Et donc, on va leur faire goûter tout de suite. Ah, j'ai plein de bave sur moi. Voilà. Donc, ils aiment bien aussi, hein, forcément. Et donc les dernières friandises, encore de la marque Trixie, ce sont des toutes petites friandises. Je me suis dit que ça allait être pas mal pour notamment l'éducation, parce que j'avais plus rien du tout. Et en fait, en plus, elles sont trop mignonnes parce qu'on se transforme de petits cœurs. Alors, je vais essayer de les ouvrir. Bon, je crois qu'au pire, je vais leur donner un jouet d'abord, parce que je n'ai jamais réussi à avoir ce machin-là sans qu'il... Voilà, donc on va d'abord vous montrer un jouet, et ensuite je vais vous montrer les cœurs, parce que là, c'est pas possible. Donc, le petit jouet, donc s'il y a par exemple déjà une petite balle, qui se présente comme ceci. Donc c'est de la marque Muscat. Et en plus je crois que dedans il y a un pouet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça peut être intéressant aussi le jeu. Allez, tchop. Donc tu t'en fiches. Viens contente. Allez, va, va chercher. Va chercher la boule. Non. On dirait en train de jouer. J'en ai qu'un en moins, on va dire. Alors, comment ça se fait ce truc? Hop. Donc, je vais vous montrer les petites friandises, donc ces petits cœurs. Donc, voilà, ça se présente comme ceci. Vous voyez, ils sont toutes petites. Et donc, c'est vraiment bien pour l'éducation. Hop, ça m'y est. Voilà, donc le premier jouet que je vous ai montré. Hein, désolée, je vais d'abord vous montrer toutes les friandises, mais c'est du spa.
avec chez Luspo, je vous le dis. Quand il y a le papa, quand il y a papa qui est là, bah laisse tomber. Mais quand il y a que maman, c'est différent. Mais bon, j'ai pas envie de filmer devant papa, donc... Alors ensuite, autre petit jouet que j'ai acheté, que j'ai trouvé trop mignon, c'était en forme de petite grenouille comme ceci. Et donc c'est de la marque Dog Toy. Et donc on va enlever ça. Et pareil, il y a un queen. Oh la vache, il est fort celui-là, hein. Genre il y en a un autre à côté, mais bon, se battre pour l'autre parce que Hachi a choisi l'autre. Oh là là. Donc voilà cette petite grenouille que je trouvais trop mignonne. Et ensuite j'ai acheté des doudous également. Donc le premier doudou se présente comme ceci. Donc pareil, il y a un poète ici je crois. Et un dans la tête. Oh merde, j'aurais dû faire ça. Il est en train d'aller. Et donc c'est un doudou qui n'a pas de rembourrage à l'intérieur. Donc je vais essayer de le... Voilà. D'enlever tout ça. Oh, c'est quoi ça? C'est un petit doudou. Et donc l'autre petit doudou que j'ai acheté, c'est une petite partie. Oh là là, non mais je vais lui enlever son jouet parce que là, viens Mia, viens regarde. C'est une horreur. Elle fait trop de bruit, je vais lui cacher son jouet. Et donc c'est une petite tortue de la marque Spot. Et donc c'est marqué qu'elle a été fabriquée à partir de bouteilles recyclées. Donc je trouvais ça vraiment pas mal. Hop. Et en fait elle n'a pas de pouette, mais au niveau des petites pattes ça fait un petit effet en fait. Je sais pas si vous entendez. Et là ici c'est tout doux. Je me suis dit une petite, un petit doudou comme ça, une petite tortue. Donc voilà, je l'ai trouvé trop mignonne. Je leur ai acheté ça. Hop. Et donc pour finir, la dernière chose que j'ai acheté, c'est ceci. Donc c'est la marque, la même marque que le poisson séché. C'est de la marque Bubinex. Et en fait c'est de l'huile de foie de morue. Donc voilà, donc c'est vraiment super je trouve. Enfin, j'avais eu en fait quand j'avais gagné le concours sur Instagram de Ficelle Border Collie, j'avais eu dans le lot de l'huile de saumon et je trouve ça génial. En tout cas les chiens ils adorent, je leur en mettais une toute petite quantité de temps en temps dans les croquettes et ils adoraient, ça leur redonnait vraiment l'envie de manger en fait. Quand des fois ils mangeaient doucement ou quand tu voilà, ils n'avaient pas forcément faim, j'en mettais une goutte, bah laisse tomber là, ouh, c'était mangé en 2 secondes. Et ce qui est génial aussi c'est que bah il y a de la vitamine A, D, qui favorise la croissance, qui assure un pelage brillant, qui protège la peau, la muqueuse. Enfin, vraiment, ça a plein de... Ah non, mais c'est horrible. Leur jouet préféré, c'est celui-là, qui est déjà plein de bave. Le truc qui fait trop de bruit, et c'est leur jouet préféré. Il y en a d'autres, des joujoux. De toute façon, je vais pas tous leur donner. Je pense que je vais leur laisser la grenouille, du coup, et je vais cacher les autres. Parce que sinon, en fait, eux, ils se lassent assez vite des jouets. Donc comme ça, je leur montrerai les autres. Ils font « Ah, nouveau jouet !» Alors qu'ils ont eu en même temps. Mais bon. Donc voilà, le dernier achat que j'ai fait, comme je vous disais tout de suite, c'est vraiment super bien. Donc, non, 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 donne-moi ça. Donne-moi ça. On va attendre 2 minutes parce que sinon, les gens, ils vont pas entendre. Comme ça, moi, ils voient vos têtes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je suis désolée parce que comme d'habitude, c'est un peu compliqué avec les deux loulous. J'espère que vous avez quand même réussi à voir un petit peu ce que j'avais acheté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.